Un engin spatial construit et piloté par la société Texan Intuitive Machines s'est posé près du pôle du sud de la Lune. L'atterrisseur à six pattes s'appelle Odysseuse et c'est le premier atterrissage américain sur la surface lunaire depuis plus d'un demi-siècle et le premier jamais réalisé entièrement par le secteur privé. Une web diffusion conjointe d'Intuitive Machines et de la NASA a indiqué que le véhicule transportait des équipements de haute technologie destinés à la fois à la NASA et à des clients commerciaux. En janvier, une autre entreprise américaine, Astrobotic Technology, avait également tenté d'envoyer un engin sur la Lune, mais avait échoué à cause d'une fuite de carburant peu après son décollage. Et toujours en janvier, le NASA a annoncé que sa mission d'alunissage Artemis 3, initialement prévue pour fin 2025, serait reportée à septembre 2026.